Fidèle pour Audition 69, mwen yo, comment nous y après plusieurs jours, la police déconcert avec l'armée d'Haïti, accompagné avec force Kenya, a mené opération dans base bandits pour démanteler les bandits. Finalement, ils décidé de parler avec le peuple là pour dire mais qui j'ai opération a déroulé, mais qui s'est passé dans l'opération. Et puis, yo tout profité, présentez-nous porte-parole la médaille Tia avec porte-parole Force Kenya. C'est moun sa yo qui pral di nous, mais ça kap passé dans l'opération qui gagne dans la base gang yo. Premier ministre Gary Conil, bon côté parle, c'est gros travail technique la fait. Pendant nous patin de PM n'a parlé, la travail. Tout matériel CNEO, yo pral jwenn la médaille d'Haïti. Ça son gros coup pour CNE. Ça pi grave là. Premier ministre là mette yon système numérique pour gen contrôle bat l'état yo. Hein? Yon moun ki te jwenn contrat nan boîte l'état, li pa ka retourner jwenn contrat non l'autre boîte. Li pa ka jwenn deux contrats à la fois. Y'a pas de contrôle. Parce que quelqu'un a dit, ah, ou déjà, on contrat déjà, ou pour même finir avec, pour jouer notre contrat. Bah, bravo pour PM. Entre temps, qui te fait nous connaître, gouvernement américain, il a saisi un gros avion pour le président Nicolas Maduro. Et puis, il a allé avec dans l'État Floride. Bah, la raide pour Maduro, pour tout bon. Regardez la vidéo ça. Pas bon ici, nous c'est production 69, nous va faire nouvelle, c'est bail, nous bail nouvelle. Nous va avoir plus d'état avec précision sur ce temps de là, nous va faire analyse et nous va inviter au temps de yo prit presse. Pas de parole pour ça te fait pour parler des opérations qu'a mené dans Badelma, dans Belé, Solino avec Fort National. En pile territoire récupéré, en pile bandit tombé au bras de Bouchio. Des policiers qui blessent tout. On a regardé vidéo ça. M'a demandé pour prêter ma attention, prêter mes oreilles parce que moi même pas sorti applicateur ou bien yo ti plume pour les oreilles pour qu'a déboucher les oreilles pour qu'a attendre ça porte-parole pour ça va dire là qui c'est Michel-Ange Louis-Jean. Hein, il parle là, il parle et ensuite et il tout présenté officiellement porte-parole force multinationale pays Kenya qui c'est Jacques et Ombaka et ensuite il a présenté le porte-parole la médaille qui c'est lieutenant et Jini Laura, hein, c'est lui qui porte-parole la médaille. Il a annoncé tout opération yo a rapousib dans Badelma, Belé, Solino ak Fort National pour neutraliser gang yo. On a parlé là, opération a bien déroulé, il est satisfait de l'opération. On a entendu. Qui est présent ici aujourd'hui et nous disons bienvenue dans le troisième point de presse depuis environ deux mois que la police l'a présenté ou encore tout premier point de presse a présenté par la parole. Tant que nous connaissons déjà, depuis 27 août 2024, ça fait environ 7 jours depuis que plusieurs unités dans la police là, qui joignent appui, bien sûr, la FSS, les forces armées d'Haïti, que ont engagé sur le terrain pour nous mener une opération. Jean-Noël campé sous podium. C'est à peu près la même réalité ça qui est sur le terrain. Ça veut dire que nous avons une synergie avec MSS là et l'armée d'Haïti qui rejoignent, qui appuie l'unité spécialisée PNH là pour mener une opération ça. Et c'est pour ça que dans le point de presse aujourd'hui, je ne suis pas pour moi. Je gagne
le commissaire de police Jacques Oumbaka, porte-parole de la multinationale de sécurité et de soutien. Nous gagnons pour le lieutenant Gamel Julien Dora, porte-parole de la Forces armées d'Haïti. Nous pas rencontrer Konyala, nous aller du bilan opération Cap Menin dans le bloc que nous allons citer là. Puisque l'opération a beaucoup fini. Mais nous là tout au moins, d'abord pour te présenter nous et porte-parole entité qui fait synergie avec PNH là pour mener l'opération. Tout au moins, pour commencer avec une série d'opérations, certainement qu'à quelqu'un qui a fini. Et dans un second temps, faire au moins une mise au point sur l'état d'avancement de l'opération qui a mené depuis environ 7 jours. On a commencé par parler des objectifs de l'opération SAR. L'objectif de l'opération SAR, c'est d'abord récupérer l'espace que Bandio occupait depuis plus de 3 ans. Mettez-le hors d'état de nuire. Garantie enfin circulation monde et bien dans l'espace. Qui espace comme ça, opération ça concerne? C'est Badelma, Bel Air, Fort National, Axolino. Population doit connaître jusqu'à date opération a bien avancé. D'abord, force de l'ONU fait un usage adéquat s'ouvrir de l'ensemble de matériel impliqué dans l'opération SAR. C'est comme ça. Il arrive à libérer plusieurs espaces que la population n'a pas de accès. Ils ont parti dans le Fort National plus ou moins libéré. Badelma, côté circulation plus ou moins à comprendre, et que nous, véhicules capables de circuler, tant qu'on est capable de remarquer ça. Plusieurs bandits sont arrivés à stopper, ou bien continuer à stopper, puisque l'opération va continuer. Bandits ont stoppé après échange de balles avec la police. Dans plusieurs points de cachette, les bandits ont utilisé plusieurs espaces, tant à la fois public que privé, pour être capable de mener l'action criminelle et permettre d'empêcher la population de vaquer à l'activité. La police, dans quatre opérations, a arrivé libérer l'espace et plusieurs bandits arrivés stopper. Après l'échange de tirs. Il y a un bagage qui est important, nous avons besoin d'attirer l'attention de la population, c'est que contrairement à ce qu'on fait dans le passé, nous ne contentons pas seulement de libérer l'espace, mais la police consolide l'espace pour que les bandits ne permettent pas de retourner encore pour venir la population encore une autre fois. Plusieurs arrêts récupérés, plusieurs arrestations qui ont été faites. Malheureusement pour nous, nous avons des policiers qui sont blessés. Mais nous voulons assurer la population. Nous voulons assurer la famille vaillante policiers. Institution, commandement, tu as fait tout ça qui te dépend de lui pour te jouer le soin. Que caillot de nécessité. Et pour le moment, le moins que nous sommes capables de dire, il y a hors de danger. Comme la police là a profité pour le renouveler détermination pour combattre le banditisme sur toutes les dangers du territoire.
avec mariage, police, population? Oui, c'est possible. Nous commençons ensemble, nous avons avancé ensemble et nous avons vivre ensemble. Merci la presse, nous prenons en pile nous à temps bilan. Ça vient là, de fil en aiguille, au terme de l'opération, nous sommes capables de présenter le bilan. Nous remercions nous parce que nous sommes venus. Merci à Haute Parole, Force Armée d'Haïti, à qui honorer nous par présence dans le cadre de ça. Merci à Haute Parole et contingent Kenya, frère, nos amis. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Nous sommes gardés la vidéo, ça. Nous sommes tendés. Ça, c'est un prix de presse. Côté trois forces de l'audio, yo bay yé là pour parler des opérations qu'a mené dans Badelma, dans Belin, Solino avec Fond National. Porte-parole pour y savoir qu'on est jusqu'à présent, opération yo a bien déroulé. Bat bravo pour ça. Mariage, la police avec peuple là, li bay résultat. Hein, li bay résultat. Bat bravo pour ça. Eh bien, si vous êtes satisfait des opérations, hein, et vous faites qu'on est, j'ai ça qu'on y a longtemps. Mener opération dans une zone, après vous faites mener opération, vous allez, pas de bagarre comme ça, vous tout été. Vous êtes dans une zone, vous avez façon pour empêcher les bandits de retourner. Hein? Ça, c'est une bonne tactique, n'est-ce pas employé. Longtemps, de vous avez mené opération, vous finissez entrer dans fief bandits, après ça, vous sortez, vous tout allez. Lo allé a bon ça retourner nan opération k'ap mené pendant plusieurs semaines yo là les policiers rive nan fièk bandi yo yo va courir yo tout être là si c'est vrai parce que m'bat là c'est pour parole la k'ap di m'répéter après nan bat bravo pour yo parce que parole la di bat bravo encourager chejap hein si vous déjà si continue déjà pé bat bravo pour lui l'a danser l'a su kekel l'a japé. Bon, Premier ministre Garry Conille, monsieur a travaillé. La travail sans faire bruit. Tendez bien? Gouvernement décidé voyez tout matériel CNEO by la Médaïti. Parole ça font gros tollé sur réseaux sociaux. Pensez bien, c'est une grosse décision qui prend dans un conseil ministre journée lundi 2 septembre 2024 là tout matériel qui était dans centre national équipement yo pral transféré by la Médaïti kounya là c'est tout matériel CNEO transféré dans la Médaïti. Pour qui ça reprend décision ça? Fons ou bien, décision, une décision qui prend dans le Conseil des ministres. En plus, après évaluation, moun qui t'a travaillé dans le CNE, yo, so konne, yo pral jouer un contrat dans le ministère de défense, FADH, et ministère travail public. Yo. Je ne pour qui ça prend une décision ça. Mais si vous prenez une décision comme ça, c'est que, regardez bien, c'est parce que vous voulez du contrôle matériel CNEO. Depuis plusieurs semaines, le matériel CNEO, c'est dans la base de la médaille de Saoudomi. Et ceci, pour aller prendre le matériel CNEO, c'est le témoignage de monde qui travaille dans le CNEO. Yo gen plusieurs côtés pour passer avec Badjo. Yo présenté Internetel, monsieur CNE, monsieur employé CNE, montre là, m'vinn derrière yon camion qui m'habite conduit. Entrez. Yo j'ai en deuxième sécurité. Yo identifié le plus pire. Yo troisième, monsieur identifié le pire. Yo quatrième, yo identifié. Et ceci, l'a sorti encore, yo retourné vérifier pour vous. Tenez côté, ou tenez côté. Yo remarqué le matériel yo en dans base à Haïti ya. Yo plus de contrôle yo. C'est raison pour laquelle il a transféré
tout matériel CNE ou bay l'armée d'Haïti de façon pour gagner contrôle. Selon ça me connaît. Moi dit là, car on l'autre bagarre qui pire élargi que ça. Car on l'autre décision qui prend même selon ça me connaît les matériels yo dans base l'armée d'Haïti a yo plus qui contrôle yo. Clair. Pas grand chose à sortir de là. Et bien tendez non. Et pas seulement ça prend comme décision non. Il y a une grosse décision qui prend encore. Gouvernement Garry Conille là, il met en campé une plateforme numérique pour moderniser gestion agent contact et négatif contact yo. Une plateforme numérique pour moderniser gestion agent contractuel yo dans administration publique là. Outils ça a permettre élimination double emploi. Vous entendez? Outils ça a permettre élimination double emploi. Tout monde qui était déjà gain contrat dans boîte et autonome yo pas ka gain contrat dans l'autre organisation ou sinon ministère. Par exemple ministère du travail ou bien tout affaires sociales. On moun jwenn contrat dans affaires sociales. On va pas jwenn contrat dans ministère planification. Système là a gete wè ou gros contrat déjà, on va pas jwenn l'autre contrat. Faut ou fin avec contrat ça pour ka rejoindre l'autre contrat. Ça bon. Parce que c'est des nèg là, yo kembe bat l'état yo sous sel, yo prend tout pour yo. Tout travail qui yo prend. Il a même des capacités. Il y a des gens qui travaillent là, il y a des gens qui travaillent là. Pour éviter le double emploi, ils sont obligés de mettre une plateforme numérique pour racketter, pour magouiller, pour ne pas prendre, pour ne pas porter bourré. Imaginez, les gens qui ont dit qu'ils ont occupé la construction. Ils paraissent dans la mise en planification. Li pour le contrat. Li aller dans l'affaire sociale, li pour le contrat. Là, aller dans le ministère de la Défense, ou le contrat. Li vient de 3 contrats dans le mail. Li va même confiner avec le premier contrat et marcher pour le contrat. Là, comme ça, l'État va la trop dans le mail, li cherche une autre compagnie de construction. Tenez bien, li baille. Il y a un contrat qui gagne sur le pourcentage. Vous entendez bien? Ça, c'est ma bouille. Pour éviter ça, il est obligé de mettre une plateforme numérique pour ne pas porter bouille sur l'État. De vous avez un renom sur le système, non, ou pas pour le contrat sans que vous ne soyez pas fini avec son téléphone déjà. Pas de bravo PM, non? Parce que vous avez un volé. Hein? Cap gagoter l'État. Il va quitter pour l'autre monde sous son zoo. C'est celle même qui n'a pas la loi. C'est celle même qui n'a pas le reste là. Entre temps, qui te fait nous connaître, gouvernement américain, il y a target Maduro pour des bons. N'est-ce pas mettre Nicolas Maduro dans le soulier? Si Maduro pas avec l'école, même tout yon ka tout yon. Oui, et bien c'est ma petite moulin. Gouvernement américain a saisi un gros avion pour président Maduro. Tenez bien. Il a saisi un avion ça en République dominicaine. Et puis il a la veille dans l'État Floride hier matin, lundi qui était 2 septembre 2024. Là. D'après un communiqué, ministère justice américain non avion ça t'a sorti États-Unis de manière illégale pour aller servir président vénézuélien et negadi représenter lui avion sorti États-Unis de manière illégale pour aller servir président vénézuélien et représentant lui. Si avion c'est pour Nicolas Maduro lié. Si avion volé, c'est que
li joue une autorisation de vol. Afin n'a dit li a li sorti États-Unis de manière illégale, ça c'est menti. J'aime connait États-Unis son pays gain l'ordre pas gon avion sur une piste atterrissage pour le voler sans pas joindre autorisation de vol. Yon avion a quitté États-Unis pour arriver en République dominicaine, faut li joue une autorisation. Sinon pas ka voler. Eh bien, yo saisi avion. Yo saisi il meni là. Yo retourne avec dans état Floride. Bara la grave, bara empiré. Malé, rendez-vous dans prochaine émission pour qu'avec tout l'autre dossier. Pas oublier channel ça, c'est production 509. Nous va faire nouvelle, c'est nouvelle que nous bail. Abonnez, retirez sur personnaliser. Mettez sur toute plein la vidéo pour pas rater. Et peuple haïtien. Nous mande mounan pouvel plaignant pas pouvel li pa kap trafic de influence peut pas ici comprendre mais c'est bien c'est comprendre tout même pas pour faire qu'une influence bah et puis d'abord pas normal pour m'a fait débat sur yon bagay que nous voulons pour lumière sur lui ouais ça fait là. C'est lui-même qui est capable de trafic d'influence. Ça connaît qui sens? On m'a imposé PAM. Nous avons eu le même narratif, son bagage qui montait de toutes pièces. Nous connaissons que c'est PAM même nègre là qui était plaignant. Donc cela veut dire, excusez-moi, chers auditrices, auditeurs, ça qui est plus important, mon ami, c'est lumière PAM, éclairage nous porter. Très bien. Vous posez trois questions sur ça. Nous allons finir, une dernière question. Parce question. Que c'est moi-même, je ne suis pas supposé pour me donner un pas. Je vous pose une dernière question. Parce que vous prenez deux cours, mais c'est important pour parler, pour faire une lumière pour le peuple. Mais comme vous avez mis ça, vous avez tout, mais l'autre question, santé publique. Là, vous pouvez parler, vous pouvez poser une dernière question ça, sur la question et dossier ça. Est-ce que, allez-nous dans l'ULCC, li gagne un rapport avec yon rencontre qui était faite entre CARICOM avec représentant nous trois conseillers ça côté que yon mandé pour écarter nous et que nous même nous courir descendre ULCC. Est-ce que ça gagne un rapport à rencontre CARICOM non? Radio Mega. Du tout pas, du tout. M'a dit nous clairement CARICOM dans dossier ça li toujours dit li va rien pour intervenir, c'est une question haïtienne. Vous comprenez? CARICOM pa ga comporté par l'autre gens si on arbitre CARICOM yé. Question pour nous descendre, non, c'est parce que nous rendons compte dans pile l'autre tractation politique qu'a fait. Nous devons mettre fin à question ça. On s'attend, nous répétons les justice haïtienne, tout le monde connaît comment lié. Mais ça qui est plus important, nous soulager famille nous, amis nous. Moun qui apprécie nous, les ouais, malgré statut nous comme président prérogatif présidentiel, dans le pot lumière sous question. Qui te mouette là, tant prie Romane. Parce que le FM la guerre, et oui, ça qui chance pas maintenant tout. Mm-hmm. Santé publique, qui sa problème vous voulez poser aïe? Mon cher Romane, mon problème, mon café me tout coûte. Si qu'on est moins qu'on est, on discontinuité, on dit mon créole là, d'un pile monde qui tape un médicament contre tuberculose et HIV, le fait que sanatorium bloqué, le fait que j'ai bloqué l'hôpital général bloqué, disons, il est tombé dans mes bandits, bon, c'est ça lié. Ils ont contrôlé, non pas par l'État haïtien, eh bien, ça vient de faire que, il y a un pile là, qui pas même des moyens pour monter dans la zone côté, il y a possibilité pour prendre un médicament, mais il y a un pile là, qui est chassé dans la zone Kafoufeuille, tout en bas, ils ont couru aller dans des sites de déplacés, dans la zone déplacée, ça, yo. Il est important que nous fassions vêtements
parce que l'on prend maladie tuberculose, parce que toute maladie qui est sanatorium, tout ça qui est dans le sanatorium, yo courir derrière qu'on y a yo dans zone déplacée et leur camper médicament tuberculose là li bon malade li bon l'autre tuberculose qui est tuberculose résistante radio méga et tuberculose résistante là li difficile pour le traiter et leur ou transmettre à l'autre monde c'est tuberculose résistante là même pour transmettre ou qu'on est la valace toujours la valace. Dès qu'on prend monsieur en charge, lors du croisé, il dit attention, on passe en tout en forme. Il dit oui, il n'y a pas de chance pour le prendre médicament ça y est encore. Donc ça vient fait que monsieur charge virale li a bien négative, a bien positive. Ça veut dire qu'il a 40 mètres de maladie. Or, monsieur jeune garçon toujours. Radio-méga. Bon jeune garçon. Donc, il y a une possibilité pour venir jouer une recrudescence de maladie, hein, malgré tout effort, ministère de Santé publique, organisation internationale, organisation nationale. Je ne vais pas citer non, et non pour ne pas faire jalousie. Mm-hmm. Mais tout le monde a mis main, il a réduit ses repositifs à 150 000 dans le pays, il y a 50 000 seulement au niveau de la zone métropolitaine. Je vous dis, avec problème de sécurité, ça, hein, li vin inaccessible médicaments retrouvés pour moun sa yo. Or, yo en activité sexuelle. Donc, si ça fait que m tire sonnette d'alarme ça, m pousse cri d'alarme ça, pour nous voir comment le premier ministre Garry Conille, le ministre Georges Bassil de Coq, résistant lié, et pas Bassil de Coq qui était là avant. Donc, si vous avez pas une prise en charge rapide, si vous avez une vous voyez au Gonaï, vous voyez au Cap, la zone est à la dangereuse. Tandis que c'est même bagarre là, même pour SIDA. L'on est séropositif ou l'on fait séropositif, l'on prend un médicament, charge virale là, qu'on vit négative. Moi, bon, c'est même sacrifié. Il y a 4 ans, la charge virale était positive, c'est-à-dire il était 4 ans semaine mon lit, les vina prend antirétroviraux, la clinique même les gens référés, et c'est juste que le tape prend, parce que son ancien son membre famille avec moi. Mais c'est vous-même qui avez opérationnalité ça. Comment le plus vite que possible, nous avons fait au niveau de centre déplacé et même au niveau de population, même penser qu'on a fait investigation massive, on vétine massif, même qu'on a obligé de faire cibler, même comme population par en pile en centre déplacé et dans les environs, pour nous voir comment nous avons retracé nous et refaire un premier médicament pour nous éviter que des jeunes petits mondes. Mais même à profiter pour me dire tout. Mon groupe d'amis, une organisation qui est dans le 21 décembre, m'a profité pour me saluer Aurélius Wilfa et son équipe. Il y a plusieurs médecins, ils ont fait une clinique mobile l'autre jour. Et la clinique mobile, ils ont tout fait dépistage. Ils n'ont pas pour alerter la population. Bagala sérieux. Les catastrophiques même. Même penser que même j'ai noté goumé contre maladie ça, grâce à l'organisation internationale, grâce à l'organisation nationale, grâce à la bataille tout le monde connaît, j'ai ce que je fais. Je ne sais pas si c'est faux, trois organisations, papa, puis on pas dire. Je ne vais pas faire jalousie. Mais je connais que la bataille ça va nous redoubler le plus vite que possible. Ou ouais, si nous avons continué, ça a commencé à faire là, à côté, tu as un rêve, mon nom, c'est près de 95, et c'est-à-dire, pour nous, c'est 95% de la population, mon qui testé, les sous-sans monde, qui pour pas de maladie, ça. Donc, il ne faut pas jouer avec ça, parce que c'est pays, nous, et nous avons souhaité que rapidement, nous prenions ça en charge, pour nous limiter les dégâts,
parce que nous capables nous tête ensemble nous voulons faire bagarre ensemble. En dit que là moi un docteur Gilles qui a lancé de messages, lancé des cris d'alarme comme quoi c'est pas lui le chef. Qu'on a mettons dans posture chef là. Qui sont en café, qui sont prêts à le faire ou même. Très bien. Très bien. Radio Omega. M'a rappelé lorsqu'on président opération à prendre médicaments aux mêmes gens, rapidement, il faut qu'il y ait un coup de pied pour me placer mon saillot. C'est ce travail ça qu'a fait là. C'est ce travail ça l'a fait déjà, tant qu'on dit, mais je ne peux pas faire pour contre moi. Pour le premier ministre impliqué, heureusement son médecin que lié, faut que le ministre santé a impliqué, et je pense que c'est des gens qui ont conscience de danger ça qui gagne, et laisse ça me penser. Des partenaires internationaux, des partenaires nationaux qui mènent en pile bataille déjà contre maladie ça yo, à permettre que rapidement yo prend ça en charge pour éviter catastrophe humanitaire ça qui arrive dans le pays. Il y a une structure qui est le Fona pour vivre qui dit qu'il y a environ 1000 personnes qui vivent avec virus là dans le camp yo, mais man yo va quand même stigmatiser. Gros cousin. On va de faire stigmatisation. Même manger ou pas jouer. Eh bien, en termes de question, même manger ça, les organisations internationales et nationales, nous connaissons qui va prendre ça en charge, parce que l'insécurité a tellement créé, augmenté la misère dans le pays. Tout. Si ça fait un petit jeune, ça y est, qui a des âmes dans mes yeux, dans mes consciences, pas revenir à eux-mêmes, mais revenir à gouvernement. Donc, ça me va le faire. Je pense que la semaine ça, nous allons essayer, nous allons inviter le Premier ministre là, et le ministre de la Santé publique là, pour nous présenter une possibilité pour nous, comment nous allons faire une investigation au niveau de zones qui ciblent, pour nous promater, pour nous comment même nous dire, si je n'en parti là, pays à ka victime pour repenser à Haïti parce que moi mon convient m'a même parlé de ça c'est parce que m'pa veut faire stigmatisation fuck le joint de manger l'orgue maladie ça tuberculose sida et moun qui fait sida facilement ka attraper li développer tuberculose nous comme ça donc li important pour organisation question alimentaire, organisation qui sous question nutrition, organisation haïtienne qui compte côté qui fait nous, pour nous augmenter, et me penser pour me réunir ce qu'on est, logique ça tout, il était parlé ça avec il y a un certain temps. Donc, me penser, il est temps que nous mettions les bouchées doubles pour nous permettre que le monde s'aille, jouer de manger, jouer de médicaments, parce que les médicaments, ça l'a pas pour pas manger. C'est pas terrible. Et monsieur, c'est nous capables, parce que nous aimons Haïti, nous tous, malgré tentative ou être la plus de déplacer, on va nous déplacer, pour y aller, pour côté nous pas le voyer, parce que c'est dans l'école, c'est dans des espaces publics, il faut libérer. On va nous prendre sur ça, nous parler ensemble, pour nous comment mettre des cliniques mobiles sérieuses, rapides, pour tant que nous jeunes, là, tu commences à faire. Pour nous comment nous permettre que nous cerner le problème là pour nous porter solution le plus vite que possible parce que y a un monde par exemple qui nous constate est-il en tel centre pour question tuberculose faut le courage me profiter pour me dire mon ça dit oui.